Eh oui, Kim Kardashian. Maintenant, tout le monde va savoir que t'es une bitch. Tout le monde va savoir que t'es une bitch. Frérot, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une bitch. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, t'y coller. Voilà, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pas te permettre d'être déterminé, passe à l'action, crée ta vie sur mesure. À un moment donné les gars, il va falloir faire un peu d'oseille, c'est bien beau de s'ambiancer. Bon les gars, il va falloir quand même être alerte et voir ce qu'on fait de notre vie. Donc il y a deux choses que moi je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et deuxième chose, ça c'est si jamais tu connais déjà ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire au minimum 5 cas par mois, et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les startups, créer un personal branding et sur l'e-commerce aussi. Ok, donc t'as tout. À un moment donné les gars, et en plus si tu passes par ton CPF, parce que tu peux accéder à Pirate Marketing via ton CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Donc, les gars, on peut pas faire plus que ça. Si tu veux savoir plus par rapport à ça, tu peux accéder à un appel offert. Donc tu cliques sur le lien dans la description, tu verras ça. Et après, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, tu pourras poser toutes tes questions déjà, d'une part par rapport à Pirate Marketing, mais aussi si jamais en fonction de tes objectifs, ce que tu veux faire, etc. Et on va t'orienter. Si ça se trouve, Pirate Marketing ne va pas te correspondre et on va t'orienter sur autre chose. Mais l'essentiel, c'est que tu te bouges, les gars. Hein, à un moment donné, les gars, les meufs que tu veux, ça ne va pas tomber du ciel. Hein, parce que je sais que c'est ce qui t'attire. Hein. Donc après, si jamais tu es chaud, bah, tu pourras accéder à Pirate Marketing, on donnera les accès. Si tu passes par le CPF, on fera le dossier avec toi. Et après, on va te donner tout ça. Et après, ce sera dur, ce sera long, ça prendra du temps, 2 à 5 ans. Ok, pour pouvoir être libre. Mets-toi ça dans la tête. Si tu veux essayer d'être riche rapidement, c'est pas sur la chaîne. Je suis désolé. Mais en vérité, c'est nulle part. Il y a des gens qui vont te faire croire oui, c'est possible. Non, c'est pas vrai. Je te le dis. Hein. Après, tu peux perdre du temps si tu veux. Tu reviendras gentiment à la maison. Et les gars, arrêtez avec vos excuses. J'ai grandi à Évry dans 91 jours de bombe BP électrotechnique. Ok? J'ai grandi au quartier des Pyramides à Évry, les gars, arrêtez de chialer. Hein. Si tu fais rien, il va rien se passer. Arrêtez avec vos excuses. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis noir, je suis jaune, je suis tout ce que tu veux. C'est dur la vie. Pff, les gars, c'est lourd, les gars. Oh là là, comportez-vous un peu comme des hommes là. Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors comme tu le sais, j'aime bien utiliser les célébrités pour pouvoir tirer des leçons, pour ne pas faire exactement les erreurs qu'ils ont fait. Hein. Et pour aussi démystifier le truc que tout le monde les voit comme exemple. Quand ils sont célèbres, les gars, c'est des exemples. On comprend pas. Ah bon, c'est parce qu'il fait de la musique, ça c'est un bon exemple. Donc là, du coup, je parlais de Kanye West qui a fait un de ses moves de bêta. Et c'est là que tu vois que le gars, là il m'a confirmé. Je n'étais pas trop sûr, j'avais peut-être pas prêté attention. Mais là, bien sûr que c'est un bêta de ouf. Voilà, après, c'est pas méchant ou pas bien, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, il n'y a pas que l'argent. Alors évidemment, il faut que l'argent. Ça, c'est sûr et certain, il faut de l'argent, les gars. Autant comme les gars, il faut de l'argent. Là, on part plus en guerre, et tout, etc. À l'époque des Vikings. Okay. Ce qui fait de toi un homme, les gars, il faut que tu fasses de l'oseille, les gars. À un moment donné, tu peux, non, je sais pas vrai, tu peux dire tout ce que tu veux. En vérité, que ce soit pour prendre soin de tes enfants, il faut de l'argent. Que ce soit pour mettre bien ta femme, il faut de l'argent. Pour pouvoir avoir ta femme, il faut de l'argent. Pour aider ta famille, il faut de l'argent. Pour aider ta communauté, si jamais tu es religieux ou pas, il faut de l'argent. Ou si tu veux aider les pauvres, il faut de l'argent. Enfin, les gars, si tu veux les meilleurs soins, il faut de l'argent. Ça a été dit, il faut de l'argent partout. Moins de taux de divorce sur les gens qui font de l'argent. Meilleure santé pour les gens qui ont de l'argent, ça, c'est des stats, les gars. Donc, les gars, bref. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. Et donc, du coup, Kanye West est là où j'ai vu que Kim Kardashian ne respecte pas du tout Kanye West. Et puis, en plus, c'est normal parce que c'est lui qui se met dans cette situation, en fait. Hein. C'est lui qui se comporte pour qu'elle ne le respecte pas, tout simplement. Parce qu'avant Kanye West, quand même, la meuf, elle allait de gars en gars. Elle n'arrivait pas à attraper un gars. Il n'y a que lui, il arrivait quand ça, elle a dit « Oh non, moi, c'est bon, moi, je prends. » C'est bon. Ouais, mais elle a fait des films de… Tout le monde a vu son intimité, quand même. Elle a couché avec toute l'industrie. Ah, c'est… Le fessier, il est trop doux. Envoie ça quand même, moi je me marie, je lui fais 4 enfants. Tu vois, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc là, son dernier move, et tu vas comprendre pourquoi, pour moi, c'est un move de bêta. Il a mis sur Twitter, il a dit ouais, by the way, donc genre, au fait, les gars, j'ai attrapé ce gars-là en train de coucher avec ma meuf. Voilà, je voulais juste vous le dire. Donc c'est un gars de NBA, il s'appelle Chris Paul. En plus, le gars, il a une femme, tu vois, normal. Il a une femme depuis longtemps, il fait des TikTok, tout ça, machin, avec ses enfants, normal, tu vois. Le gars, il a dû être comme ça, il devait se lever comme ça le matin. Ah, ah tiens, je suis en tendance sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, c'est mon dernier tweet. Ah, non. Ah non, c'est pas ça. Ou sinon, c'est sa femme qui a dû le réveiller. Qu'est-ce que c'est?
Hein? Parce qu'on sait tous que tu peux dire que c'est un ouf, tout ce que tu veux, Kanye West, tout ce que tu veux, blablabla. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un mytho. C'est justement, il parle trop. Il aime trop dire la vérité pour rien. Voilà. Donc du coup, pourquoi déjà, pour moi, c'est un move de bêta, ça. Bon, Chris Paul, bon, bah, chacun ses problèmes. Là, lui, il a dû se dire, bon, Kim, de toute façon, entre nous, il n'y a pas de souci, on est ensemble, hein, tu vois. Ça reste entre nous, hein, secret, petit secret. Tu vois, il s'est dit, on est bon. Bah, pas du tout. Hein, voilà. Il avait oublié qu'il y avait l'autre bêta qui allait les balances normales. Et puis même déjà, juste par rapport à la situation, le fait que Chris Paul, il n'ait aucun souci à essayer de gérer la meuf de Kanye West, ça veut dire que les gars n'ont pas de respect pour lui, tu vois. C'est ça me rappelle un peu Will Smith, tu vois, les gars, ils n'ont pas peur de faire des blagues sur la femme de Will Smith, genre en mode, ah, Future, il avait fait une blague, bon, ben, c'est la Open, moi, je suis là, je suis chaud, du manque de respect comme ça, tu vois, c'est jamais un gars qui va se dire dans sa tête, hein, comme ça, tu vas bien comprendre ce que je dis, ah, ben, tiens, je vais essayer de gérer Beyoncé, tu te dis pas ça, frère, parce que tu sais qu'il y a Jay-Z derrière. Après, ça dit, ouais, mais Kanye West, c'est pas méchant, etc., etc. T'as pas besoin d'être méchant ou d'avoir tué des gens pour qu'on puisse te respecter, tu vois. Est-ce que quelqu'un va essayer de gérer la meuf de Denzel, par exemple? Bon, alors, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, même si elle était plus fraîche, je suis sûr que les gens respectent trop Denzel pour pouvoir essayer de gérer sa go. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste ça, déjà, ça envoie des signes, déjà. Mais bon, pour revenir, pourquoi pour moi c'est un move de bêta? Le gars, il balance. Ça, c'est les gars qui n'ont aucun pouvoir pour, entre guillemets, faire mal à la meuf. Là, il a 200K à payer pour son alimentaire. Donc, il est énervé. Hein? Et là, il dit, bah tiens, je te balance. J'avais dit que je n'irais rien, mais je te balance. Pourquoi tu fais ça, en fait? Tu fais ça parce que tu n'as aucun, je veux dire, tu n'as aucun pouvoir en toi de pouvoir, genre, la faire te respecter ou lui faire du mal, entre guillemets. Hein? On est contre la violence, les gars, calmez-vous. Ta seule façon de pouvoir, genre, l'atteindre, c'est que les autres personnes, donc pas toi, hein, parce qu'elle, elle s'en fiche de ce que tu penses exactement, c'est que les autres personnes, trouvent qu'elle, c'est une bitch, quoi. Genre là, en gros, il s'est dit, quand il a mis le tweet, il a fait... Eh oui, Kim Kardashian, maintenant, tout le monde va savoir que t'es une bitch. Tout le monde va savoir que t'es une bitch. Frérot, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une bitch. Y'a que toi qui l'avais pas vu. T'es sérieux? Non, mais maintenant, vivons vraiment savoir. Tu la vois? Oh, attention. On le savait déjà, Kanye. Y'a que toi qui sais pas au courant. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Il est sérieux, lui? Et même, tu vois, moi, je sais pas, là, je veux parler pour moi, mais même moi, les gars, j'ai trop de fierté pour pouvoir dire devant tout le monde, ouais, ma meuf, elle m'a trompé avec un autre gars. Un autre gars, un gars joueur de la NBA et tout. Non. Mais non, c'est pas sérieux, gars. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi il a cru que ça déchirait? Et que genre, il croit que le tweet, là, ça fait du mal à qui? Kim, ça va rien changer à sa life. Ok, bon, elle a trompé. Bon, on est déjà au courant que c'est une bitch. Enfin, she's for the street. Donc, ça veut dire qu'en plus, pendant le mariage, elle est toujours... En fait, elle n'a jamais quitté la street, en fait. C'est juste, elle a mis une illusion. Grâce à Kanye, elle avait un petit peu son image. Mais en vérité, elle a toujours été comme elle a toujours été. C'est-à-dire aller de homme en homme et puis comme ça, voilà, quoi. Normal, tu vois. Mais lui, il fait genre comme si c'était une découverte. Eh, les gars, pendant le mariage aussi, elle était pareil. Ah bah oui, bah, on avait vu. Parce que vu comment elle est revenue rapidement dans la street... Je sais pas quand même si tu te rappelles, quand ils ont divorcé, genre elle a dit ouais, en plus en public quoi, je veux dire, je sais plus quoi, c'était dans son émission ou pas, elle avait dit ouais, genre en gros j'ai envie de coucher avec Pete Davidson. Elle a raconté ça comme ça, en public comme ça. La meuf, elle a aucun respect pour son ex. Elle a aucun respect, gars. Rien, à zéro. Alors comme elle parle comme ça, oui, je suis gentille, oh là là. Non, parce que vraiment... Alors, comme elle part comme ça, personne ne voit le subterfuge. Et moi, je le vois, les gars. On me la fait pas, moi. Elle a aucun respect pour Kanye, gars. C'est ouf, gars. Après, c'est parce que, bah, du coup, il ne provoque pas ce respect, tout simplement. Mais je veux dire, t'imagines, genre, Beyoncé qui dit un truc... imagine, c'est fini avec Jay-Z. Et genre, elle est là, en interview, « Oui, j'ai envie de coucher avec Pete Davidson. » Tu vois pas que ça a aucun sens, gars. Même quand le gars, il a fait des photos, Pete Davidson, dans le lit de Kanye... Mais non, mais c'est, tu vois pas que personne ne respecte ce mec, en fait. Je suis en train de m'en rendre compte.
il fait de la bonne musique, ça on est bon, on pourra pas le retirer. C'est pas parce que le gars fait de la bonne musique, hein, et qu'il a du succès au niveau de ses entreprises, que ça veut dire qu'au niveau relation, il est OK. Alors, les gars, ils perdent toute leur dignité dès qu'ils voient un beau fessier. C'est incroyable quand même. Alors, je suis d'accord que Kim, les gars, je suis le premier à dire que j'aurais été consumé par sa beauté, évidemment. Mais pas jusqu'à perdre ma dignité. Attends, les gars, un minimum. C'est pour ça qu'elle a jamais réussi à garder un gars vraiment alpha human, entre guillemets, parce qu'elle, t'inquiète pas qu'elle va pas date, elle va pas date un gars moyen, normal, hein, ça c'est sûr, tu vois. C'est pour ça que dans toute l'industrie, les gars, ouais, ils veulent mettre un coup. Ouais, ça, hier, là, ou avant-hier, j'ai vu Instagram, elle était avec 50. Ah, les gars. Et 50, tu sais qu'il met pas à côté. Les gars, non. Et après, au cas où, si jamais tu penses que c'est une rumeur, apparemment, Drake aurait confirmé la rumeur. Donc, je laisse regarder la vidéo. Kanye just outed an NBA superstar for cheating on his wife with Kim Kardashian, and Drake just confirmed it. Kanye has been completely unhinged the past few weeks, and yesterday was the peak of it. He went on Twitter and said, "Let's break one last window before we get out of here. I caught this guy with Kim, good night." Which was paired with a yearbook-like photo of Chris Paul. Now, CP3 has been married to his wife Jada Crowley since 2011, and the couple has two kids of their own. And Kanye didn't provide any evidence to his claims. However, a new photo of Drake and two members of OVO has emerged, and the group can be seen wearing three different Chris Paul jerseys. The image is from right before Certified Lover Boy, which was the peak of the Drake and Kanye beef, and this picture was meant to be a diss at Kanye, meaning there may be some truth to this rumor that the public just didn't know. So I'll keep you updated as this story unfolds, and make sure you follow All Hail B-Ball for more. Donc du coup, je pense que c'est confirmé, donc au cas où tu dis ouais, non, mais peut-être que c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est pas vrai, c'était un mensonge, voilà. Voilà. Et ça, c'était quand il était à son pic, à son embrouille. Et on sait comment Drake, dans les bifs, là, dans les embrouilles, il aime bien mettre des petits trucs subliminaux. Donc c'est sûr que ça lui ressemble, ça ressemble à ça. De toute façon, on sait que Kanye, il ment pas pour des trucs comme ça. Il ment pas, de toute façon, du manière générale. Donc vraiment, move de bêta, en mode, genre, je veux encore que sa femme revienne, etc. Bon, apparemment, là, je pense qu'il a fait le deuil. Prends tous ces trucs-là, tu sais que ta meuf a trompé, machin. Tu veux qu'elle revienne, pourquoi, en fait? Je comprends pas, c'est... C'est là que tu te dis, les gars, ils sont perdus pour un fessier, ça y est, les gars, ils pètent. Elle revient, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Pour qu'elle continue à te tromper? Elle te trompe. Elle a fini, elle est partie avec Pete Davidson dès la fin. Elle le dit devant tout le monde, j'avais envie de le baiser. Et toi, tu lui dis de revenir après? C'est ça le problème avec les gars d'aujourd'hui. Mais de quoi elle va revenir? Déjà, d'une part, elle n'a aucun respect. Elle va dire, bon, lui, en fait, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a rien, il n'y a aucune limite. je peux faire des partout, il va me dire de revenir. Déjà, que tu le veuilles ou non. Et deuxièmement, pourquoi tu fais ça? Tu te respectes pas, il n'y a rien. Tu penses que tu peux pas trouver une autre femme comme machin. Ok, la famille, nan, 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 mais à un moment donné, c'est... déjà, pourquoi tu as fait des enfants avec une femme comme ça déjà? Ça n'a pas de sens déjà. Le gars va faire 4 enfants avec une meuf qui chez For The Street. Après, il dit, ouais, au fait, je l'ai attrapé à me tromper. Mais en fait, elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait, en fait. Comme elle... De quoi tu me parles en fait? Donc voilà ce qui se passe quand tu n'ignores pas les femmes. Voilà. Cette femme-là, elle aurait dû l'ignorer carrément. Voilà. À un moment donné. Arrêtez de lui donner de l'attention lorsque par exemple elle fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois? Là, tu vois que pendant toute la relation, il a dû faire ça. Il a dû vraiment avoir aucune limite. Il a dû la laisser faire ce qu'elle voulait. Et il a continué à lui donner de l'attention. Parce qu'à partir du moment où la meuf, c'est fini, elle t'a déjà trompé durant le mariage. Après, elle couche directement avec Pete Davidson en annonçant à tout le monde qu'elle va juste, elle veut baiser Pete Davidson. Après, genre, ils se sont fait genre en mode, ils ont vraiment daté, genre, tu vois. Mais à la base, elle voulait juste prendre un coup. C'est ce qu'elle a dit, hein. C'est pas moi. Et lui, Kanye, durant tout ce moment-là, il continue à lui donner attention. En plein concert, il dit reviens, Kim, machin. Move de bêta, les gars. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que Kanye West, il n'a pas eu accès à la formation de Zeus, parce que s'il avait eu accès à la formation de Zeus, il ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Peut-être même que si jamais il avait les infos qui étaient dans la formation de Zeus, peut-être même qu'il aurait réussi à la tourner chez For The Street, donc Bitch, en peut-être en femme à peu près normale. En tout cas, il aurait pu contrôler la situation et pas se faire afficher comme ça, un minimum. En tout cas, il se serait fait au moins respecter. Donc si jamais tu veux savoir plus, secret de la nature féminine, Zeus, dans la description. Et puis si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu sais déjà, il y a ton description. Donc les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si t'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais aller ton corps.